Actuellement, nous sommes à la pourvoirie Michel-Saint-Louis dans les Hautes-Laurentides. Depuis 2 jours, on a pêché sur le Grand Lac du Cerf. On a vraiment fait une belle pêche. Ici, le site de la pourvoirie est situé sur le Petit Lac du Cerf, qui est environ 5 km de long. Ensuite, une petite passe où on va aller tranquillement avec le bateau. Puis, oups, là, on sort sur le Grand Lac du Cerf, qui est une dizaine de kilomètres de long. Michel, pour situer les gens, on est à quelle distance de Montréal environ? De Montréal, bien ici, on est dans Haute-Laurentide, 250 km de Montréal, 3 heures et quart de Montréal. OK. Puis pour les gens qui viennent de Gatineau, par exemple? Gatineau, c'est 1h30. De Gatineau, de 1h30 à venir ici, là, environ 110-120 km. Là. OK, c'est pas loin, ouais, ça se fait très bien. Ben oui. Nous, durant notre séjour ici, nos 2 journées de pêche, on a pris de la truite grise, de la chigan à petite bouche, puis de la chigan à grande bouche. Mais je pense que dans les lacs ici, il y a d'autres espèces aussi. Oui, oui. Tu as comme le doré, tu as le brochet, puis tu as le masquinongé. Le masquinongé, il n'y a pas énormément, mais il y a du gros. OK. Le plus gros qu'on a poigné ici, là, c'est 44 livres et demi. Mais tu poignes pas ça à tous les jours. Ben non. Je pense que les gens maintenant comprennent que le masquinongé, c'est un poisson qui est difficile à prendre. Puis c'est rare qu'il y en a tant que ça. Mais quelqu'un qui veut l'essayer, il y en a. Ah oui, ah oui. Mettons, quelqu'un a fait une belle pêche à une autre espèce, puis il a le goût de s'essayer pour le masquinongé, bien il y a la possibilité de le faire. C'est en plein ça. Puis tantôt, quand on se parlait avant de commencer l'enregistrement, tu m'expliquais que tu as des forfaits pêche aussi. Tu sais, dans le fond, les gens peuvent louer le chalet, puis se débrouiller par eux-mêmes sur le lac, ou y aller avec ton forfait pêche. Puis je le trouve bien intéressant. Peux-tu expliquer un peu aux gens comment ça marche? C'est 2 choses différentes. Okay. J'ai de la location de chalet, que j'appelle, et j'ai des forfaits de pêche. Location de chalet, je te loue un chalet comme que t'as. Puis tu pêches sélectif à toutes les espèces qu'on a nommées tantôt. Là. Fait que tu payes la location de chalet seulement. En forfait de pêche, parce que j'ai 3 lacs exclusifs à Truite Arc-en-Ciel. Truite mouchetée normale entre 9 et 15 pouces. Et j'ai la truite mouchetée assez grosse entre 1,5 et 5 livres. Oh. J'ai 3 lacs exclusifs à truite. Fait qu'en forfait de pêche, tu as droit tout à ça. L'arc-en-ciel, la mouchetée, puis j'ai un autre lac à brochet et à chigan, à part que le lac de chef. Là. Fait que tu as droit tout à ça. C'est des forfaits de minimum 3 jours. Okay. Tu vas avoir 5 jours, pas de trop, mais c'est 3 jours que je demande. Fait que dans ton 3 jours, en plus de tout ça, l'hébergement, les lacs exclusifs, la truite arc-en-ciel, la truite mouchetée, tout ça, en plus de ça, dans ton 3 jours, je t'emmène sur le lac du Cerf avec mon gros bateau de pêche, le guide inclus, l'équipement inclus, une demi-journée, c'est inclus dans le prix. Puis j'ai le plan européen, puis j'ai le plan américain. OK. Fait que c'est comme... Si tu veux pas faire la vaisselle, là, j'ai le plan américain. Tu n'as pas de vaisselle à faire. C'est bon, ça. On sauve ça. C'est ça. On va à pêche à place de faire la vaisselle. C'est ça. Fait que c'est génial parce que là, au niveau pêche, ça permet de faire plein de choses, là. Hein? Plein d'espèces différentes sur des lacs oui. différents. Une demi-journée avec le guide, en plus. Quand tu dis une demi-journée, c'est quoi? C'est un 5 heures? Ça joue entre 5 et 6 heures. OK. Une demi-journée. OK. Puis c'est ça. En tout, tu as 7 espèces différentes. Ici. Quand tu fais tout ça, tu as 7 espèces différentes. Là, actuellement, l'endroit où on est, c'est une belle pointe. Puis là, il y a des sites pour les gens qui voudraient venir en camping rustique, c'est ça? Oui, oui, oui. Oui. L'endroit est splendide, c'est de toute beauté. Là. Puis, je voyais aussi que tu as des embarcations. Ça veut dire que si quelqu'un vient ici, imagine en camping ou en chalet, puis qu'il n'y a pas d'embarcation, tu peux leur en louer. J'ai des chaloupes à moteur. Généralement, c'est 19,9. Et j'ai des pontons, pédalos. Ça, c'est en location. OK, ponton aussi. Ouais, ponton c'est intéressant, aussi. Ça. Ouais, ouais. L'été, quand les gens viennent pour des vacances, on peut faire un mix. Là. On peut être un peu plus intense pêche, mais on peut venir ici relax en vacances. J'ai vu qu'il y avait des belles plages de sable, tout ça. Puis là, les gens peuvent te louer un ponton puis partir sur l'eau. Ben oui, au ciel, au ciel. Puis tu sais, quelqu'un qui dit qu'il aime la pêche, mais il va avoir des vacances, faire la plage, tout ça. À ce moment-là, c'est une location de chalet. OK. Location de chalet, mais il peut faire la pêche à sa bonne guise. Il y a les plages devant les chalets, c'est toutes des belles plages de sable. Ouais. Fait que c'est un peu villégiature. C'est pêche villégiature. Si on rit au forfait de pêche, celui qui vient ici exprès pour la pêche, il est mieux de prendre le forfait de pêche. Ouais, c'est plus dispendieux un peu, mais c'est mieux, parce qu'il y a plus de choix de lacs. En passant, les forfaits de pêche, tous les lacs, les chaloupes sont là, les moteurs, dans le prix, tout est inclus. Chaloupe, moteur, essence. C'est inclus dans le prix sur le site web, là, okay. Que vous allez voir. Là. Okay. Tout est inclus, là. Chaloupe, moteur, essence. Puis excellent. Les droits de pêche. Fait que les gens arrivent avec leur équipement de pêche, c'est tout. C'est tout. Bien, Michel, merci beaucoup encore une fois pour ton accueil. La prochaine fois, parce que je compte en revenir,
J'aimerais essayer les lacs à truites, soit les grosses mouchetées, soit l'arc-en-ciel, puis peut-être le doré aussi. Ben oui, pas de problème. Puis un gros merci à toi, Dan. Donc vraiment, un endroit à découvrir, la pourvoirie Michel-Saint-Louis dans les Laurentides.